Ah, mets tes munitions parties personnelles, parce qu'elles feront encore plus mal et on va arriver. Qu'est-ce que t'arrives? Vous n'êtes pas prêt, messire, mais je peux repasser s'il y a besoin. Comment ça, silence? Gibo lance patate, hein. Je vous l'explique, hein. Lui c'est un fils d'up, Gibo lance patate. Oui, bah c'était long. Alors. La vie, la mort. Le fardeau de l'artiste est. Kyle Fitzpatrick. Vous voyez le jeune Fitzpatrick, si on sait. Oui, c'est lui. Utilisez votre appareil. Immortalisez-le tel qu'il est aujourd'hui. Il est magnifique, les gars. Et voilà maintenant Fitzpatrick en pleine heure de gloire. Alors, si je peux me permettre, il est mort. Ouais. Ouais, je fais des très belles photos. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ça à faire. Alors vous avez vu, hein, ce petit truc de prendre des photos, là, dégueulasse. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer. Moi, mentalement, je ne l'étais pas. Et j'ai pensé que c'était très cool d'être ici. Que je me suis trompé. Hop, on va charger. Nickel, ensuite. Alors là, faut que je fasse le tour parce que c'est une grosse zone avec beaucoup de choses. Et il me semble qu'il y a même un truc pour améliorer nos armes. Donc, je vais en profiter. Je vais faire le tour de la zone. Hop, hop, hop. Voilà, il y a une cigarette, on s'en fout. Là, il n'y a rien. Je vérifie tout. Hein. Je vérifie tout. C'est important de ne rien louper sur cette zone-là. Parce que je sais qu'après, bon lieu que c'est chiant. Hop. Est-ce que ce bruit, frère? Ah, il y a une partie coince, c'est vrai. Il y a une partie coince et je ne sais plus pourquoi. Ouais, toujours est-il que c'est flippant comme bruit. Je crois que c'est décoincé. Alors là, on peut faire le tricks là. Je crois que c'est ici où on doit faire le tricks. 3, 2, 1. Hus. Expert en alarme. Allez, t'as vu, il faut me dévancer le circuit. Là, on sait que j'ai décidé de jouer en lieu et ça, on fera plus tard. Je vous remercie pour. Collaboration. Mais je vais pas accepter vos autres collaborateurs finalement. Salut les copains! Voilà, les balles antipersonnelles font très très mal. Hein. C'est les armes les plus pétées du jeu. Bon, alors c'est chiant. Bon, je vais vous laisser venir chez moi, d'accord? Je vais vous laisser venir ici parce que j'ai un peu la flemme de venir vous chercher en fait. Ah bah voilà, te voilà toi. Où es-tu? Tu es pas loin. Ah mais je peux descendre en bas aussi, je crois. Ouais, par là, je peux descendre. Excusez-moi, je vais pas visiter la scène en entier. Je sais pas où t'es, frère. Viens. Ça serait trop marrant qu'elle soit morte. Je l'ai eu, je crois. Je suis trop fort. Point faible. Sniper avec un pistolet. Personne m'arrête. Personne me stoppe, moi, c'est clair. Tout vos failles, fardeau d'épée. Alors là, il y a un monsieur qui veut me parler. Alors, je suis ouvert à la discussion. Jusqu'à un certain point, si je peux me permettre. Genre, les rafales ne font pas partie de ce certain point. Hop. Tac, 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 comme ça. Ensuite, paf. Donc on remonte là. Incroyable. Super. Ok. Faut qu'on fasse ça. Et qu'on remonte. Chat connard. Super. V. Je suis un connard. Oh, je déteste ma vie. Et je suis pas du tout là où je voudrais être en fait.
Ah, je vais retourner voir ta merde là, j'ai pas fini moi. Salut à tous. Ah non, on peut passer par là. Eh bien, je suis content pour toi, mec. Je vais vous envoyer à Raikal. Mais vous devez d'abord faire partie de mon chef. Allez à la Trium. J'arrive, j'y vais à la Trium, mec. Mais je suis un peu mort à cause de tes merdes là que je suis en train de pirater. Hein? Parce que monsieur a décidé de faire un peu la grosse chiennasse de mort là. Il a cru que c'était marrant de faire ça. Alors, moi j'ai la réponse à ton truc là. Est-ce que c'est drôle? La réponse est non. C'est même très chiant. Bam bam. Balance. Gâteau à la crème, super. Ok, pirater, autopiratage. Hop. Nickel, on est bon. Bah, en vrai, je vais claquer mes trucs de soin hein, parce que plus j'en ai, mieux c'est. Mais je sais qu'à la fin de cette zone, j'en avais très peu à la fin. Alors que tu vois, ils tombent extrêmement bien, quoi. Là. Mais là, ça devient de plus en plus simple parce qu'on utilise de moins en moins de balles en fait. Le petit fusil à pépon là. Vous voyez, quand je serai mort, c'est vers ceci qu'ils se tourneront. Oui, bien sûr. Mon quadriptique, c'est magnifique, hein. Allez-y, n'ayez pas peur. Touchez-le! Tiens, prends ta photo là, super. Oh la belle arme! Oh la belle arme! Oh la belle arme, mon ami! C'est la guerre là. Où était le truc pour améliorer déjà? Non, pas ici. Super. Allez, quand ils auront reçu leur récompense, vous pourrez aller chercher la boue. Et super, moi ce que je veux. La porte de la place à Poseidon vous est maintenant ouverte, petit. Ok, ça je m'en fous. Il y avait le truc d'amélioration en bas. Ok, là maintenant, ça va commencer à devenir la merde. Pourquoi? Parce que là maintenant il n'y a plus aucune limite. Là maintenant il va faire venir absolument tout et n'importe quoi. On a déjà clear cette zone là donc on peut y aller, on s'en fout. Oh, oh oui encore. Oh encore, vas-y t'arrêtes pas mec. C'est la meilleure arme du jeu, putain. Oh vas-y continue. Encore putain. Salut. Chance de casse d'arbalète. Voilà, prendre la puissance hein. Comme ça on les met juste dans les patates là, on va juste mettre des petites patates comme ça là. Ah ouais mais ça c'est trop bien ça. Super, hop pirater. En espérant ne pas tomber sur de la merde. Fallait qu'on tombe sur de la merde. Super, pirater. Ok, jusque là tout va bien. Là ça va pas, et là ça va pas. Et là ça va pas non plus. Allez, ça va saouler, on va arrêter de crafter, on va aller pirater d'autres choses, des trucs plus sympas parce que là c'est un peu la mort. Bon, maintenant qu'on a amélioré cette arbalète incroyable, on va pouvoir rigoler parce qu'on va pouvoir faire la blinde de choses. Déjà, on va pirater cette merde. Bam bam, ok, ensuite bam bam, ensuite bam, ensuite bam bam, et ensuite. Bam, et on termine avec ceci. Et là, les carreaux sont à. Les carreaux sont dans ma poche. Là. Attends, il faut des balles. Voilà. Alors, ça, mon gars, comment c'est puissant. Oh, j'adore. Ouais, j'adore la patate que ça te met dans les gencives. C'est trop bien. Alors, le Plaza Poseidon, on sait où c'est là-bas, on l'avait dit, hein. Ah, il y a le mec avec la glace ici. Ah non, c'est nul. Ah, je m'en souviens, c'est pas ouf. Levez le rideau.
Je peux voir quand vous respirez. Super. Vous croyez pouvoir m'achever ici, mon vieux? Les crétins que vous avez jetés dans cette chambre froide paniquaient comme des lapins. J'ai regardé et j'ai attendu. Quand ils ont commencé à crever, j'ai récupéré ce que je pouvais. Je me suis préparé un petit cocktail de plasmidia. Eh ouais. Si on peut rien faire contre moi, il faut se couvrir le cœur de glace. Alors je me permets de les détruire parce que voilà. Là c'est la merde, en gros. Je crois que le vieux débris a enfin décidé d'envoyer quelqu'un. Ce scélérat m'a laissé gelé ici. Okay. J'ai une pose toute choisie pour vous. T'es mort, hein, je te le dis. Hein. Je te le dis, t'es mort. Hein. Ok. C'est qui va au boss bouquet. Alors, je vous ai déjà expliqué le principe du lance-flamme. Parce qu'on va rigoler là. Hein. T'es mort. T'es mort. En plus j'ai mon arme. Voilà. Vous avez vu ce qui vient de se passer là ou pas? Le combat était censé être très très long et très chiant. Je l'ai one shot dans le plus grand des calmes. J'adore, oui, super. Photo. Champ cryogénique, on s'en fout. Il a pris un carreau en pleine tête, mon gars. Oui, chargez la photo dans le sable. Voyons ce que ça vaut là. Alors, tac, 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 tac. Là, on a tout fait du coup. J'ai rien fait, ça me fait rien. Alors, on va continuer un peu. Il y avait une autre sortie là-bas. Plaza Poséidon, Atrium. Alors, Plaza Poséidon. Ah, il faut qu'on y aille tout à l'heure, donc on va continuer. De toute façon, on va juste falloir repasser à l'atrium. Parce qu'il y a encore des mecs à tuer là-bas. Y'a pas un. Y'a pas un protecteur là qu'on rigole? Non, mais y'a Jacob et toute sa clique. C'est si mal. Je suis là! Oh, y'a Jacqueline. Y'a Jacqueline et Michel, ils sont là. Il fait du mal, monsieur P. Il fait du sale. Ils sont où, merde? Ah, il devrait se prendre bas, je suis un connard, je vais louper. Coucou! Videur! La petite, je veux la petite, c'est tout. Alors, on n'a pas encore ce que je veux. C'est-à-dire les carreaux les plus pétés du jeu. Normal, on va d'abord la valette. On pourrait aller les craft en vrai, mais on va aller les craft. Parce que je veux jouer dans la beauté du jeu. Et le jeu n'est beau que si on a ce dont j'ai besoin qui est là-bas. Et je l'ai juste approché. Merde, il est où le truc de craft? Bon, j'ai la flemme, je le trouve pas. Changement de programme. Il nous, monsieur qui gueule. Voilà, ça c'est prêt. Ensuite, on fait. Salut Billy! Fonce-moi dessus! Ça pique! Et ça, c'est rien, frère! Dégage! Sale merde. Viens là toi. Non, non, non. On gère de mieux en mieux les fights en vrai. Hein.
Merci, monsieur. Super. Bah, donne-moi un cadeau. Super. Donne-moi un cadeau, c'est tout ce que je demande. De l'argent, de la moula, de la dent. N'importe quoi, je prends. Allez, on recherche des carreaux explosifs ou des carreaux piégés. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. La 200 m'emmerde un peu. Alors, la 300, par contre, ça c'est très bien. Amélioration d'air, amélioration de santé. Manufacture physique, plasmide. Plasmide, en vrai, on s'en balle un peu les burnes. Ça, ouais, surtout. Et après, le reste, on s'en fout un peu, hein. Vendeur expert, ouais, ça on s'en fout, on s'y est fait. En vrai, ça va, hein. On est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on faudrait de plus? Alors, poser cette photo incroyable. On peut utiliser là, là ou là. On va le mettre ici. Bien sûr, les gens qui ne comprennent pas l'art. Salut mec. Tac tac tac, Poseidon Plaza. Salut les bro. Comment ça va les bro? Oh, je me souviens d'ici. Oh, c'est pas marrant. Salut bro. On peut terminer cette fin de recherche avec eux, hein. Hop, il y en a dans l'ombre un peu là. Goodbye, bro! Goodbye, my lover! Laissez-moi tranquille! Elle est trop bien cette arme! J'adore! Il y a des carreaux là. Il y a un truc pour arrêter l'alarme. Ah, il y en a encore là. Salut, boy! Hop! On est un peu comme ici, comme une merde là. Salut bro! C'est pas toi que je voulais. Ah, c'est toi que je voulais. Ta gueule. Salut boy! Ah, je l'ai pas eu. Ah non, je l'ai pas eu. J'ai touché sa jambe. Ça a éraflé son genou. C'est cheaté de ouf, j'adore. Encore un boy! Coucou boy! Désolé, j'ai mis une mission performante, je voulais pas faire ça. Oh non, j'avais le dernier. Oh non, j'avais le dernier chromosome plafonnier. Et les carreaux, ça m'intéresse énormément, putain. Maintenant qu'on a nettoyé ces gens-là. Pirate Genetic, on peut pas encore crafter. Et là maintenant on peut. Toujours pas. Chier. T'as un piégé, on peut par contre. J'en ai besoin. On prend, et ça on prend. Bon, je prends un peu tout ce que je peux, hein. Passe mytho. Plus j'en ai, mieux c'est. Fermé, fermé, là il y a de lèvres, ok. Bonsoir. Sinclair. Oh, ça me dit un truc, Sinclair. J'ai pas besoin de pirater, je suis un connard. J'ai pas besoin de faire ça, je suis un connard, c'est tout. Là, ensuite, comme ceci, comme ceci. C'est marrant, mais le fait que ça ait disparu de Bioshock 2, ça me manque en vrai, ça. Vous verrez bien quand on attaquera, mais... Ça me manque. Jukebox. C'est une grosse caisse. Elle a pété, on est là pour vendre du rêve. Oh là là, mais là, là. On va se faire une fête, les gars. Voilà, merde d'Arcadie, on prend. C'est cool qu'elle était pas morte. Les effets de l'alcool des enfants. C'est tout ?
chier. Downstairs, donc il y a un étage à aller en bas, ok. Oh, Eve Guardian, quel... Monsieur? Monsieur, je vais rentrer et faire l'inspection du travail, d'accord? Je suis payé pour ça. Alors ne vous en faites pas. Je viens pour vous, monsieur, hein. C'est moi qu'on a engagé, ne me tirez pas dessus. Là on peut passer, là on peut passer. Ok, donc là il faut juste faire ça. Ensuite tu fais ceci. Tu fais ceci. Ceci. Hop, et un dernier. Et voilà. Alors, tac tac tac. Tac 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 tac. Comment ça, je suis plein là? Ah merde, je suis full. Ah t'es chier. Bah faut que j'utilise ça, faut que j'utilise. Monsieur, j'ai un truc à vous dire. En fait, attaquez-moi. Allez-y, je n'ai plus peur. Merde, où est-ce que je dois passer pour un gamin? Les braves gens de Rapture ne sont pas venus ici pour voir leur gouvernement fermer les boutiques et abattre leurs propriétaires, même un macro comme Fontaine. Mais il l'a bien cherché. Au lieu de préparer son coup tranquillement, il a cru qu'il pourrait se montrer et canarder à tout bas. Il se prend pour John Wayne ou quoi? On peut s'en sortir, je le sais. Et voilà ce qu'il faut faire. Découvrir quelle était la volonté de Fontaine et faire en sorte que son succès profite à ceux qui devaient en bénéficier, pas à ceux qui sont dans l'au-delà. Voilà, c'est ça le truc, c'est good. En fait, ils sont en mode oh, faut pas faire ça aux gens, c'est méchant de faire ça. Mais par contre, t'es là en mode bon, bah maintenant qu'il est plus là, on va reprendre ton business. C'est toi? Dites à ce vieux corbeau que sa musique brûle mieux qu'elle ne s'écoute. Je dirais. Cohen n'est pas un musicien. C'est le larbin de Ryan. On dit la politique corrompue de Ryan est en train de tout foutre en l'air et Cohen s'agit pour faire le ménage. Et au lieu de prendre une pelle comme un véritable abruti, Cohen s'assoit avec une jolie mélodie et quelques pratiques. Il dégage quoi. Les formes, il n'arrive toujours pas à masquer le feu. Ok, super, là ça brûle. Oh, il est tout doucement là, il casse les couilles. Ok, il y a rien d'autre ici. Tac tac, non. On peut donc continuer par là-bas. Très bien, on peut juste passer comme ça. Les trousses de soins qu'on va gaspiller parce que les trousses de soins on a des milliards. T'es où mec? T'as essayé de me faire éclater avec une bombe. J'ai donc le droit de te poser la question. Où es-tu? Et surtout, où vas-tu? Merde, et ouvre-moi là. Wesh. Alors, par où on part de cette merde là? Par où on se casse? Salut mec, ça va? Ah attends, j'ai un flingue à te faire tâter. Ouais. Souris bien mec hein. Devant la caméra hein, c'est impressionnant. Ah, alors vous êtes là vous. Alors pas de problème. J'allais m'en occuper. Voilà. Voilà, voilà. Alors, t'es prêt à me foncer dessus Rodrigo? Je t'explique. Toi tu vas me foncer dessus et moi je mets les pièges. Ça marche? Ah merde, j'ai pas ce qu'il faut. Regarde Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! Reviens! Oh la vache, il a pris la bite, mais moi aussi hein. Arrête Rodrigo! On était censé être copains! Rodrigo, c'est pas comme ça que je voyais la fin de notre relation. Hein. Rodrigo!
T'as cassé une vitre, Rodrigo. T'as pas cassé la bonne en plus. Casse celle-là la prochaine fois. Arrête! La petite sœur, elle est où? Ah non, non, j'ai besoin de rien. Attends, on va prendre la photo là, c'est marrant. Hop. On va pas prendre en photo parce que bah, on y est presque quoi, donc bref, fais chier quoi. Ok, ok. Bizarre augmentation de santé et DM, mais c'est super. Attendez, je prends en photo ma copine. Mais barrez-vous, monsieur, laissez-moi avec la petite. Incroyable ça, merde. Super, bon, alors maintenant ici c'est un peu la merde, hein, si je peux me permettre. Rarement vu ça, hein. J'ai encore des crozons à prendre en photo. Ok, super. Ok, ok. Alors attendez une minute. Parce que du coup, j'ai pas checké tout ce qu'il y avait à checker ici. Alors bonsoir. Dernière photo. Allez, dis-moi qu'on a fini la décapitation. Crozone plafonnier, tulier. Voilà, on a terminé. Alors, donc là il y avait le truc de Eve là-bas, Eve Garden, c'est là il y avait le... Oh frère, allô. On se calme tous les deux. Alors, on va pirater cette merde. Tac, tac, tac. Il y a le piratage dans le 3. Je ne sais plus s'il y a le piratage dans le 3. Logiquement, je dirais que oui. Mais sous quelle forme? Ah si, je sais. Ah, c'est la pire forme du piratage dans tous les Bioshock. Oui, c'est bon, je m'en souviens. Pirater, hein? Ah oui, c'est la pire forme de piratage. Elle est nulle à chier, le piratage sur le 3. Mais une fois que t'as compris comment marche le 3, il est trop cool, je trouve. Pas le meilleur. Je préfère largement le 2. En termes de gameplay. En termes d'histoire, c'est le 3, forcément. J'aime beaucoup tout ce qui est aspect scientifique et tout. Mais c'est vrai que vraiment, en termes de piratage, ouais, il y a des côtés négatifs, on passe mytho. Salut à tous! Mets-moi une grosse race! Petite balle qu'on recharge là. J'utilise beaucoup moins le fusil à pompe, mais parce que avant le fusil à pompe était là, la fusée du jeu. Ce n'est plus le cas. Donc forcément, déception. Mais aussi on va utiliser un peu le pompe parce qu'on a 42 balles de pompe, donc ça serait un peu honteux de pas utiliser. Bonne aventure, on s'en tape. Ok. Andrew Ryan. Alors, donc ça c'est on parlait dans le dernier live. Vous étiez en train de dire qu'en gros Ryan il prenait du bon temps. En fait il parlait de se faire hôte d'ici pendant que les autres trimaient aux pêcheries. J'adore ces mecs. C'est trop bien, je trouve l'ambiance de Bioshock incroyable. Alors vous voulez voir ce qui s'est passé avec Ryan? Je vous montre. Je croyais que vous aviez oublié. Donc il voulait aller voir Jasmine. Hein. Voilà. Donc elle a couché avec Fontaine en fait. Hein. Et là on ouvre la porte. Et Jasmine, bon bah voilà quoi. C'est horrible, docteur Selenborn m'a promis que ce ne serait pas une grossesse normale. Qu'ils allaient extraire l'embryon une fois que monsieur Ryan et moi nous aurions... J'avais besoin d'argent. Mais je sais que monsieur Ryan va le découvrir. Il va savoir que je n'ai pas pris mes précautions. Il va savoir que j'ai vendu le... Monsieur Ryan va être furieux après moi. Oh putain, je viens de tilter. Oh, je viens de tilter un truc là. Oh, je viens de tilter un truc là.